Le nem est un plat d'origine vietnamienne qui est présenté sous la forme d'un goulot. Et maintenant, nous préparons les ingrédients pour bien faire le nem. Notre vidéo aborde le processus composant de 4 étapes principales. Faire la préparation, le pliage des nems, la cuisson, la sauce. On commence par jeter les champignons noirs et les vermicelles de soja dans l'eau chaude et couper en fines lamelles. Et puis, on guérinit tous les ingrédients et Paul chapelait les carottes et ajouter le soja grossièrement coupé. Ajoutez un peu de sel, du poivre, très peu de maggi et de l'oignon émincé. Préparez les rouges d'œufs car si on utilise des blancs d'œufs, le mélange deviendra mouillé et fait déchirer la feuille. De plus, les rouges d'œufs feront le nem plus jaune et croquant. Versez tous les ingrédients, carottes, du porc, des rouges d'œufs, vermicelle, oreilles de jida, ciboule dans un grand bol. Mélangez et laissez agir dans environ 15 minutes. La deuxième étape pour le pliage des nems. On prépare des galettes de riz. Mais il nous faut faire attention. Si les feuilles sont souples, il ne faut pas les faire mouiller. Au cas où ils deviendront secs et faciles à être rompus, il vous faudrait préparer une serviette neuve et la faire mouiller avec l'eau. Prenez une feuille et la mettez sur la serviette mouillée pour que la feuille devienne plus souple et translucide. Puis, posez la galette sur une ligne, disposez un peu de frasse en haut et au centre de la galette. Et voilà le résultat. La troisième étape est assez importante. On doit verser de l'huile dans une casserole, le laisser bruire, puis réduire tout de suite le feu. Et on plonge les nems dans le lune de friture, finalement les retirer dès qu'ils sont dorés. Quatrième étape. Préparer de la sauce. Il existe plusieurs types de sauces qui peuvent se servir dans des couples individuels pour accompagner les nems. Ce sont la sauce aux cacahuètes concassées, la sauce végétale simple et digeste. Et aujourd'hui, on utilise la sauce classique pour nems. Avez-vous déjà eu l'occasion de goûter ce plat? En général, c'est un plat apprécié par presque tout le monde. D'ailleurs, il est assez bon marché et vendu partout.